Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour un bien que nous avons à louer. C'est une maison de type 7 sur l'Éguevin, maison de type 7 avec piscine, de mémoire qui fait 240 mètres carrés. Donc là, nous entrons par l'entrée principale puisque je vous montrerai au cours de la vidéo qu'il y en a deux. Donc la première entrée avec un placard aménagé. Un premier WC avec lave-même. Une buanderie. Alors, une très belle et très grande cuisine intégrée, entièrement équipée. Avec son coin repas. Et qui donne sur une petite terrasse bois. La pièce principale. Alors, l'ensemble, la pièce principale fait 65 mètres carrés. On a d'abord ici un coin salon avec une cheminée. Donc une grande pièce principale avec une très belle hauteur sous plafond. Notre vue de la partie salon. Sur l'aile est de la maison, est, ouest, pardon. Sur l'aile ouest de la maison, on a ici une grande pièce que moi j'ai comptée comme chambre, mais qui était une salle de sport, qui a été également un bureau et qui donne sur la piscine avec également une belle terrasse. Profite de vous faire un petit bout de jardin. Voilà cette grande pièce de mémoire qui fait 26 mètres carrés. Là, je vais maintenant me diriger vers l'aile est de la maison qui va être le coin nuit. Donc, je profite de vous remontrer un petit peu la conception de la maison. Alors là, nous sommes dans le couloir coin nuit avec une possibilité d'accès direct pour revenir à l'entrée principale. Un deuxième WC sur cette partie nuit. Une deuxième chambre. Alors pour moi, ce sera la chambre parentale. Puisqu'elle a sa propre salle de bain. Avec une baignoire. Une douche à l'italienne. Et un vase. Une deuxième salle de bain. Toujours avec douche, vase. Alors ici, nous arrivons sur la partie plus ancienne de la maison, puisqu'elle a été agrandie. Donc avec un grand dégagement qui jusqu'à présent faisait office de salle de jeu et qui était l'entrée principale autrefois et qui est maintenant l'entrée secondaire. Donc avant d'arriver à cet espace dégagement salle de jeu, encore une chambre ici.
J'ai oublié de vous préciser que le chauffage est individuel au gaz. Alors on a un placard ici dans cette partie dégagement. Une autre chambre. Donc nous sommes sur la quatrième chambre. Alors, très lumineux le matin puisque nous sommes plein est. Et maintenant l'étage où je vais vous montrer les deux dernières chambres. Donc maison T7 avec 6 chambres. Et voilà la dernière chambre avec un lit sur Rochelle à l'étage. Je vais maintenant vous montrer le sous-sol et les extérieurs. La partie garage. Donc au niveau des extérieurs, ici un carport avec un cabanon pour tout ce qui est vélo, tondeuse. L'accès à la propriété avec un portail automatique. Ici le jardin. Jardin assez méditerranéen, beaucoup de pins, palmiers, avec une piscine. Donc, qui est en cours de clôture pour être aux normes. Et voici la façade de la maison. Je vais également vous montrer le côté où nous avons donc la pièce, la grande pièce ou chambre de 26 mètres carrés qui donne sur cette terrasse. Et ici à nouveau un cabanon pour du rangement. Voici le jardin. Voilà pour la piscine. Donc si vous êtes intéressé par cette maison pour la visiter, je dirais, plus,
plus en détail, n'hésitez pas à nous contacter au 05 61 06 86 60. Merci et à très bientôt.